Super. La route de notre glorieuse victoire était pavée de sang et de brutalité. Tout cela était nécessaire. Lorsque le drapeau de notre mère patrie flottera au sommet du Reichstag, tout Berlin saura que l'idéologie du Reich fasciste a disparu de la surface de la Terre. Avril 1945. Quand Reznov parle de Dimitri, il le présente comme un héros, un homme qui devrait tous nous inspirer. Je l'ai vu faire preuve de clémence, lui commettre des actes d'une rare cruauté. Je n'arrive pas à le cerner. Les héros n'ont peut-être pas besoin de justifier leurs actes. Courage, soldats ! La victoire finale est proche ! Aujourd'hui, nous écraserons ce qui reste du Reich. Nous rentrerons en Russie. Salut tout le monde, j'espère que vous avez tous été bien et on se retrouve pour le dernier épisode sur notre peuple. Call of Duty World à voir avec les Russes et on va aller prendre le hashtag d'assaut. On a besoin de vous une dernière fois. Et en plus, les salauds, ils m'ont changé d'arme quoi. Genre, je rentre dans leur hashtag et à ce coup, je change d'arme. Tiendra ce bâtiment jusqu'à la mort. Mais va te battre quoi, au mieux de résistance. Au mieux de gueuler. Notre drapeau flottera sur la ville. Il me cerne mes fesses. Et on ne flanchera pas. Soyez courageux. Soyez forts. Soyez fiers. Sur le front. Et manque de puissance de feu. Sans pitié. Blanchard, servez-vous, défendeur Schreck. Le bâtiment. Alors meurs les mains autour du cou de l'ennemi. Trouvez le médecin. Aïe! Non mais oh! Arrêtez! D'accord. Et où sont les Panzer Schreck? Qui monte sur le front! On manque de puissance de feu! Soyez courageux! Oh mais putain, les gros là! Les Panzer Schreck! Mais soyez sans pitié! Ah mais... Ah oh, putain mais la vache. Oh reste une stop. Le bâtiment est encore bombardé. On va se faire tuer. Alors meurs les mains. Oh putain c'est chaud. Les grenades ils tirent dans tous les sens. On partait devant hein. Moi je vous rejoins. Soyez courageux. Soyez forts. Soyez fiers. Je peux tirer une balle dans la tête quoi. Sans pitié. Là, tu meurs. Le bâtiment est encore bombardé. On va se faire tuer. Putain, la vache, alors, il meurs les mains autour du cou de l'ennemi. Ah vache. T'es mort, t'es mort. Tu montes sur le front. On manque de puissance de feu. Gershard, servez-vous des Panzer Schreck. Oh punaise. Désolé les mecs, je vous balance ça dans la gueule, mais c'était soit moi, soit vous. C'est lui là qui me gave. Mais... Il y en a un là qui j'arrive pas à voir. T'es mort ? Il nous faut une infirmière ! Ok, t'es mort. Salopard ! Il y en a un autre, là. Plus. Attention ! On voit la dôme ! J'arrive pas. Bon, putain, la vache, je te vois pas du tout, et eux me voient. Non mais... Une grenade, on dégage. Il y a un peu de
les Allemands. En charge. Encore des nazis. Merci. Oh oh oh. Un bazooka. Oh là 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 là. Punaise. Non, il faut que je recommence tout. Oh, sérieux. Qui monte sur le front. Soyez on manque de puissance de feu. Soyez forts. Soyez fiers. Leur chasse. Gardez-vous des bandits. Tiens. Le bâtiment est... Comment il me donne un fusil. Alors je fais du limite du corps à corps dans une base. Qui dans, monte dans, sur dans, le front. Quand... On manque de puissance de feu. Soyez courageux. Et lui il me gave là. Oh. C'est chaud. Allez, go, 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 go. On manque de puissance de feu. Il y a 36 000 soldats, mais ils sont tous sur moi. Soyez fiers. Mais soyez sans pitié. Oh punaise. Ça c'est chiant, j'ai l'impression d'être tout seul à me battre. Les autres ils tirent tous des balles dans le vent. Soyez courageux. Toi tu meurs, pas chier. Soyez merde. Fiers. Mais soyez sans pitié. Pitié, je peux foutre un homme sans pitié. Le bâtiment. Alors meurs. Putain, mais te mets pas devant là, imbécile là. Vite, ramenez le médecin. Oh, c'est russe, hein, je te jure. Qui monte sur le front. On manque de puissance de feu. Leur charge. Servez-vous des Panzer Schreck. Oh putain. Ils ont foiré. Ça arrive que je me focus pas. Ah oui, c'était toi, j'ai oublié. Je t'avais oublié. Il y en a un autre là. Voilà. Il arrive à la finir. Non mais je me protège derrière là-dessus, j'ai l'impression que ça sert à rien du tout. Ah punaise. Comment ça me gavait toi. Là, c'était calmé ça. Oh merde. Au bout du bouton. Ah, ouf. Voilà. Oh putain. Donnez-vous prêt. Encore.
Aïe. Allez, on est toujours sur les côtés là, on en profite. Est-ce que j'ai mis les sons de ça? Punaise. Y'a quoi là-dedans? Ok, c'est juste des mecs, c'est juste un spawn ça. Il est avec nous lui? Il fuit! Ok. Elle sort d'où? Oh putain. Ah c'est relou. Planquez-vous. Soyez courageux. Soyez fort. Soyez fiers. Du monde mais sur le foyer. On manque de puissance. Moi, soyez fiers. Jean-Charles, servez-vous des panthères secs. Warrior. Le bâtiment est encore bombardé. On va se faire tuer. Alors on meurs faire les tuer. Mains autour du cou. Oui, dégage là. Toi aussi dégage là, triché. Tiens. Oh la vache mais... Je me protège à la rue. Vous avez arrêté de vous exciter là? Ah, ça bouge tellement, c'est ça qui est chiant là. Aïe. Arrêtez-vous de citer vous. Allez, on va par là. Tranquillement. Ça dégage. Voilà, que tu meurs. Oh merde. Non, non, non. Oh. Mal lancé. D'accord. Le mec. De ce truc et j'ai vu une petit STG des familles. Oups,
Oh non, 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 bordel, je m'éloigne, elle me tue. Oh putain. Oh la vache. Elle est dure cette mission. Soyez courageux, vivants sur le front. On manque de puissance de feu. Servez-vous, n'y pas de chercher. Mais comprends de fois qu'il ne sert à rien, personne. Et si tu meurs, le bâtiment est encore bombardé. Non, non, non. Quand c'est mes aînés qui m'empêchent de... D'accord, je me prends... Je sais même pas comment je suis mort. Il y a des grenades qui m'explosent dessus, mais ça me signale pas qu'il y a des grenades. Alors ça, c'est magnifique. Attention, soyez bon sur le front. On manque de puissance de feu. Servez-vous, n'y pas de sans pitié. Tu meurs et tu fais pas chier. Il nous faut un infirmier. Ils ont décidé... Le bâtiment est encore bombardé. Putain, c'est chiant, c'est ce truc qui... Les mains autour du cou de le bâtiment qui... qui arrête pas de trembler, là. Les mecs, ils bombardent leur... le bâtiment alors qu'ils ont des troupes à l'intérieur. Ça, c'est bien les Russes, ça. Sérieux. Pourquoi il y a une grenade, là? Qui c'est qui a... Le mec, ils arrivent en... ils envoient une grenade jusqu'à là. Tu meurs et tu me fais pas... Aïe. Super. Hop là. Toi tu meurs. Toi tu meurs aussi. Ça vous a calé ça. Allez go. Gros type qui a balancé une grenade. Voilà, on va me faire plus chier. Ok. Les soldats allemands. Mais tu mets pas de vente, c'est pas possible ça. Il repasse un peu. Non, 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 non. On y arrive. On peut rester là. Oh. Ok, officier qui a été déjà blessé. On continue, on avance. Bordel. Ah merci. Une mission pour ça.
On va les tuer avec leurs propres armes. Tirez-vous, dépêchez-vous, vigilants. Ils tenteront de tenir tous les points fortifiés. Plan droit, montez sur ce balcon. Leurs chars, servez-vous, dépêchez-vous, Shrek. Wow. Leurs chars, servez-vous, dépêchez-vous, Shrek. J'ai pas de Panzer Shrek. Leurs chars, servez-vous, dépêchez-vous, Shrek. Vache. Oh, vache, et oh, doucement là. Servez-vous, des Panzer Shrek. C'est bon, ça. Vous visez quoi? Bon, tournez-les. C'est assez dur de viser là. Aïe. Ouais d'accord, faut se mettre au milieu. Quel étage. Aïe. Oh la vache. Ah d'accord, l'étage, je cherchais. D'accord, il y a l'étage quoi. Oh les encercles là, ah ouais mais c'est un massacre. Boum. Leurs défenses ne tiendront pas. C'est notre chance. À l'attaque. Les mecs qui savent qu'ils sont encerclés. Là-bas, sur le les mecs qui savent qu'ils sont encerclés et il faut avancer. Ils savent qu'ils sont encerclés, mais ils continuent à aller en bas. J'aime bien la logique. Vous êtes allé où? Jo. Les renforts allemands, nous ensemble, camarades. Vite, avancez! Il y a un mec avec un lance-tab. Merde. Ok. Ah, aïe. On les pilonne. C'est l'ensemble qu'il faut viser. Attendez. Lance-flamme. Ah. Voilà. Voilà. Vite, avancez. À côté de l'aigle, n'arrêtez pas de tirer. Près de l'aigle, Dimitri, détruis-le. Utilisez les Panzer Shrek. J'ai plus de munitions. L'effondrement de ce symbole de leur décadence précédera celui du Reich. Hop. Bonjour. Touché.
Oh, enfin. J'avais pas vu que c'était un lance-flamme. Alors. Le monde y est là. Vous deux, ouvrez ces portes. Ouvrez-les vite. Poussez. Elle est bloquée de l'autre côté. J'ai besoin d'aide. Oh, je sens le... Je sens le truc pas cool. Allez, on y va. Passez mais ces les pauvres. Ils ont pu... On continue, on avance. Je les entends. Ça, je me demandais ce que c'était. Oh la vache. La grenade. Encore des Allemands. À côté de la porte. Grenade, prenez des lumières. Faites-vous. Non mais. Attention, à côté de la porte. Bon. Merci le mec, vous avez plein de munitions, c'est cool. On doit approcher du toit. Regardez comme on est haut. Il faut jeter ces monstres par-dessus le bord. Oh. Sergent, nos camarades de l'arrière-garde envahissent le bâtiment. On peut leur laisser nos restes. Il faut qu'on continue vers la victoire. Le cœur ensanglanté de l'Empire nazi cessera bientôt de battre sur les balcons, là-haut. Aïe. Où ils sont? C'était mort. Ils sont là. Thank you.
Tenez-les à distance du drapeau! Désolé, je vais couper le micro. Ouah, mais c'est qui peut tirer dessus là? Les Russes, arrêtez là. Allez, vite! Ils n'ont nulle part où aller! Montez! Ouvrez la voie pour le drapeau! Ouvrez la voie pour le drapeau! Annoncez notre victoire! Bon, passez. Je passe par où là? Je fais quoi là? Merde! D'accord, bizarre. Je visais bien. Allez. Ouais, le drapeau. Allez. 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 Ouais. Et là je me prends un coup de sniper. Et voilà. Qu'est-ce que je pensais? Bon, c'était pas un sniper, mais. Je vais te marcher le menu. Je veux mettre le drapeau communiste soviétique. Je vais mourir. Tu survis toujours. Patriotiquement. Oui. C'était mon héroïque. Cet honneur. Tout revient. Oh, merci. Notre grand pays. Tant que tu vivras, le cœur de cette armée restera invincible. Merci, camarade Reznov. Nous rentrerons en Russie en vrais héros. Bon. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Representatives of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Give man and the fulfillment of his most cherished wish, the freedom, tolerance, and justice. Ah, comment se finit Call of Duty World à voix dédicacée à tous les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui se sont sacrifiés pour la préservation de la liberté. Ouais, bon, alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Call of Duty? Alors, c'est pas mon préféré de tous. Bon, il y a des moments qui sont assez hard quand même, mais parce que bon, je suis quand même en commando. Après, c'est le premier Call of Duty qui n'est pas inspiré parce que tous les autres, pour rappel, ils se sont beaucoup inspirés des films qui sont sortis, genre Soldat Ryan, Band of Brothers, Stalingrad et autres. Et celui-ci, les missions qui nous ont été proposées, c'était la première fois que c'était des missions
que les développeurs ont fait de A à Z sans s'inspirer de films. Alors c'était assez sympathique, mais après bon, on retrouve toujours la même mécanique dans les Call of, hein. On a eu les combats de chars où il fallait détruire d'autres tanks et tout ça. Bon, ça c'est avec une bateau, j'en suis pas trop fan, mais bon, ils mettent ça pour avoir un petit gameplay avec des tanks. Parce que c'est assez basique et en fait on tire sur tout ce qui bouge et on est les plus forts et on détruit tout. Après, bon, comme d'habitude, on joue des Américains et on joue des Russes. C'est toujours les seules factions qui nous sont présentes, présentées dans les Call of ou même dans les jeux de la Seconde Guerre mondiale généralement. Bon, après c'est fait par des boîtes américaines, alors forcément il faut que les Américains soient mis en avant et après on met les Russes et parfois de temps en temps les Anglais. Mais ouais, c'est clairement pas mon préféré, mais le jeu est quand même assez sympa. Et après, à la fin, prise du Reichstag, comme d'habitude, j'aimerais bien plutôt qu'ils mettent des missions, des batailles peu connues. Et ça serait cool qu'on puisse avoir ça dans les Call of. On a toujours les grandes batailles que tout le monde connaît par cœur, qu'on a fait moult fois. Et au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Après, les musiques étaient vraiment cool dans le jeu. Ça c'est une bonne surprise. Les armes étaient bien faites, bien représentées. Il y en a certaines que j'ai moins aimées parce que j'ai trouvé les armes bizarres et d'autres qu'on... J'ai l'impression qu'elles étaient un peu plus fidèles à la réalité. Donc voilà, dans l'ensemble, jeu assez sympathique. Donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre sur cette série de Call of Duty World of War. Vous savez ce que ça signifie, donc je vais enchaîner avec Call of Duty World of War 2, donc le dernier qui vient de sortir, hein, où on va commencer avec le débarquement, Call of avec un nouveau moto, avec le nouveau moteur graphique, ça va le faire. Et en fait, je me retiens depuis sa sortie de ne pas l'avoir fait, parce que je voulais finir ce Call of. Donc on va pouvoir enfin s'y mettre et enchaîner. Allez, je vous laisse sur le générique. J'espère donc que cette série vous a plu. On se retrouve très vite pour le Call of Duty Deuxième Guerre mondiale. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.